Le peintre Hervé Télémaque est décédé le 10 novembre 2022 et c'est l'occasion de rendre hommage au parcours de cet artiste d'origine haïtienne qui, après avoir commencé à faire une recherche dans la peinture à New York, est venu à Paris en 1961. S'il a connu les influences des dernières années du mouvement surréaliste, Hervé Télémaque a surtout pris une part déterminante au mouvement de la figuration narrative, avec en 1964 la participation à l'exposition Mythologie quotidienne. À partir de cette démarche collective, Hervé Télémaque a poursuivi une œuvre très personnelle jusqu'à ces derniers temps. C'est l'occasion de revenir aujourd'hui sur cette œuvre importante, avec le témoignage qu'il m'avait accordé dans le cadre de l'Encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, dont je vous propose d'écouter et de voir quelques extraits. Ma recherche d'identité a été une espèce de fil conducteur, au fond, jusqu'à présent, de mon travail. Il faut passer de New York à Paris. Hein, je prends la décision de quitter New York en 61, et 60-61, pour toujours... remarquez, c'est toujours ce fil conducteur, un peu pour retrouver ma culture d'origine. Je commence à oublier le français un petit peu, qui est quand même ma langue de base, avec le créole. Au fond, je suis venu à Paris pour, certainement dans un désir de continuer mon programme introspectif et d'identité. Et à Paris, c'est pas l'expressionnisme abstrait qui règne académiquement, c'est ce qu'on a appelé ici l'abstraction lyrique, mais enfin c'est le pendant parisien à peu près. Et je retrouve des camarades, j'ai l'avantage, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais tendance à passer de l'actualité artistique du moment à des artistes de plus en plus reculés dans le temps, hein, c'est-à-dire au fond allant vers le début du siècle. Si vous voulez, de Kooning, je passe à Giacometti, je commence à regarder les surréalistes. Et on a l'idée, il y a l'invasion pop new-yorkaise qui débarque à Paris avec Madame Sonnabend. On commence à voir Liechtenstein, Jones, Rauschenberg, tous ces gens-là. Et ce qui nous frappe un peu dans ces années 62-63, moi-même je fais une peinture surréalisante à l'époque en 62, Ronsiac aussi, pas très très loin. Et ce qui nous frappe un peu, c'est bien sûr, nous sommes impressionnés par la puissance formaliste des New-Yorkais, et on a envie d'apporter une réponse. Ce qui nous frappe un peu chez ces Américains, c'est le manque absolu de regard, appelons ça comme ça, politique sur le monde. Hein. Et Bernard et moi, on a un autre regard un peu sur l'actualité, les journaux. Il y a Fidel Castro à La Havane qui est très critiqué par les Américains. Il y a mai 68 au fond qui se prépare à Paris. Si vous voulez, notre génération dite mythologie quotidienne, figuration narrative, est assez ambitieuse en fond dans son projet.